de Pâques, j'espère que vous allez bien. En tout cas, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de réaction. Et donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Mathieu. Hey. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va réagir au groupe donc Lady Baby. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas, moi j'aime beaucoup ce groupe. Il est très très spécial. C'est très what the fuck, mais vous allez voir. Alors Mathieu, il ne connaît pas ce groupe. Ah, pas alors du tout, voilà. La J-Music, c'est pas du tout mon délire. Donc, Voilà, donc je vais un petit peu l'initier à ça. Ouais. Il va être un peu, je pense, étonné. Mais voilà, mais en tout cas moi je n'ai pas encore vu ce clip. En fait c'est une nouvelle chanson que les Lady Baby ont fait, donc c'est Easter Bunny. Alors je sais pas trop de quoi ça parle tout ça, mais du coup je vais découvrir ça avec vous et avec Mathieu. Enfin, on va découvrir ça tous ensemble. Ouais. Voilà, donc c'est parti. D'accord. Oui, c'est que je veux dire. Voilà, je pense que c'est un délire de cuisine que lui. Ouais, mais c'est trop mode de fait que j'avais vu. Pour l'instant, c'est kawaii, hein, mais... Ouais. Sans la poêle pour Spike. Ok. Je peux pas te mentir. La fameuse embuscade à l'œuf. Ouais, elles sont mignonnes avec leurs petites oreilles de lapin, c'est vrai. Ouais, bah bébé quoi. Et j'ai cru qu'elle s'en a fait. Non. J'ai cru. Pas de Yuri pour ce groupe. J'ai cru. Ah c'est vrai quand même. Alors tu vois, pour l'instant c'est à peu près normal. Ouais. Mais tu vois, il va y avoir une apparition qui va, je pense, te choquer. On verra. Normalement, hein. Si vous ne faites pas dedans, il y aura cette apparition. Ça, la tour est assez simple, franchement. Bah, c'est un groupe assez sympa. Là, ça fait kawaii, elles sont mignonnes, elles sont bien habillées, tout ça. Si on parle au groupe EXO de K-pop, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Ah bah ouais, en aucun rapport, c'est sûr. C'est une petite partie de tennis. J'avais dit. Bon, encore une fois, les Lady Baby font souvent un univers kawaii. Ah ouais, c'est ça. Donc voilà. Par contre, il y a une voix bien grave. Alors voilà, c'est ça que je voulais que tu remarques, en fait. C'est-à-dire que... Direct, voilà, fait. Les... Fait le commentaire, mais ça m'a choqué direct. Quoi. Bah oui, en fait, tu vas voir, en fait, il y a une voix d'un métalleux. Alors je sais pas pourquoi il apparaît pas dans, dans le clip, mais en fait c'est un homme qui fait partie du groupe et qui est métalleux en fait dans le groupe. Ah ouais, cool. Voilà, donc t'as les voix kawaii des deux petites et le gars qui fait sa voix métalleux. Alors il apparaît normalement dans les clips. Ouais, mais pas dans celui-là. Voilà, apparemment pas dans celui-là ou peut-être à la fin, je sais pas. Non, parce que c'est vraiment très très kawaii et t'as une bonne grosse voix. Ouais, c'est ça en fait, c'est le contraste, bah, c'est le contraste ouais, qui est intéressant. C'est sûr que ça change pour des chansons habituelles, je crois. Ouais. C'est le fameux œuf d'un mot. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a des petits sous-titres en japonais, donc pour ceux qui savent lire le japonais, c'est pratique d'apprendre la chanson. Pour moi, c'est mort. Voilà. Après, on peut aussi apprendre avec la phonétique. Hein, mais... Oui, bah oui, c'est ça. C'est le bas pour délire épileptique. Donc en fait finalement dans cette chanson le côté métal n'est pas énormément mis en avant, ouais, alors qu'il y a des chansons où c'est vraiment mis en avant. C'est vraiment plus le côté vraiment kawaii. Ouais. Ouais. Pourquoi dans mon esprit ça peut être bizarre? Bah on peut penser à du Yuri mais non. Ouais. Univers très coloré, Yuppie. Très coloré, très kawaii. Dans le clip, c'est vrai que moi j'ai l'air comme ça. Ouais, bah c'est agréable à regarder quoi. Ah ouais. Même pour les trucs pervers, ça prend pas mal. Un peu bizarre aussi, je crois que c'est décoratif. C'est plus ce qui est bizarre, c'est qu'elle se lance des yeux là. Je ne pas très de commentaire. Voilà, alors non, ça ne se finit pas en Yuri. Désolé Mathieu. Mais un clip très agréable. Alors en fait, du coup, je pense qu'on va faire une deuxième vidéo de réaction. Du coup, donc, à ce même groupe.
J'espère qu'il y aura le troisième membre du groupe, donc le fameux homme qui fait les voix métalleuses derrière que tu as pu entendre. Donc voilà, donc bah merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura plu, hein. J'espère que voilà, ma compagnie avec Mathieu vous aura plu, voilà. Ouais. J'espère qu'il a aimé aussi regarder ce clip, voilà. Je vous invite à mettre un pouce en l'air, voilà, parce que ça fait toujours plaisir les pouces en l'air. Et puis bah je vous invite aussi à aller voir mes autres vidéos de réaction. Je vais aussi faire une autre vidéo de réaction du coup avec Mathieu sur ce groupe. Et bien voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, hein, parce que c'est important. Et aussi comme ça, activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis ciao à tous dans une prochaine vidéo. Matane !